Yo, what's up, c'est Elite. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une info de ouf qu'on a pris hier par le biais de la page Facebook de Swagman. Bye bye. Vous savez, c'est le mec un peu trop superficiel et qui est vraiment très très riche. Et il aime exposer sa richesse sur les réseaux sociaux. Et donc, hier, on a appris qu'il serait apparemment détenteur de 20% des parts de Rockstar Games. Il l'a annoncé sur sa page Facebook en expliquant avoir investi toutes ses économies dans cette société. Et qu'au jour d'aujourd'hui, ses parts lui rapporteraient environ 700 millions d'euros. Et il explique à la fin de son post que les rumeurs vont prendre fin, car cette histoire est bel et bien à l'origine de sa richesse. Et si l'histoire est vraie, il faut avouer que c'est un vrai rebondissement. Et il faut même admettre, que même moi je vais l'admettre d'ailleurs, que jamais je ne me serais attendu à ce que sa richesse vienne de là. En tout cas, si c'est la réalité, on peut dire qu'il a réalisé et réussi un sacré pari et réalisé un sacré hold-up en misant dans cette entreprise qui n'a fait qu'évoluer au fil du temps et en possédant désormais 20% des parts de cette entreprise. Évidemment, quand on s'intéresse un peu à la personne de Ryan Sanchez, c'est le vrai nom de Swagman pour ceux qui savent pas, donc on n'est pas sûr à 100% de la vérité de ses propos connaissant un peu la personne, et quand j'ai regardé les commentaires sur Facebook, il y avait des avis pertinents et d'autres qui l'étaient beaucoup moins, mais il est tout de même fort possible que cette histoire se révèle vraie et qu'il ait par la suite encore investi dans l'immobilier avec les sous qu'il a gagné de Rockstar, ou encore bien dans d'autres patrimoines qui l'auraient aidé à accroître sa richesse. Voilà les perroquets, je trouvais ça plutôt intéressant et plutôt original, ça changeait un peu, de mêler un peu une personnalité, people et le jeu vidéo, d'autant plus que l'histoire ressemble solide et réelle. J'espère donc que t'as kiffé la vidéo, si c'est le cas, mets ton pouce bleu vers le haut, il est tout bleu, tu verras, c'est facile, ça prend 2 secondes. Pourquoi pas un commentaire et un partage, et on se retrouve quant à nous dès demain pour un top 10 upgrades des meilleures améliorations des joueurs sur FUT. Soyez donc au rendez-vous, et moi je vous dis à très très bientôt, ciao.